many animals are also become extinct because this. Ça, l'enfant, je lui dis que lui-même, il doit faire la révision du cours d'anglais avec sa fille. Qu'est-ce qu'il... Alison, viens voir d'abord. Hein? Ça, c'est quel anglais, là? C'est vraiment l'anglais qu'on a écrit ici, ou bien ça, c'est du pitching, ça? Importance of knowledge. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui est noir sur ton visage? C'est papa qui... Hein? Viens t'asseoir. Tu dis que c'est qui? C'est papa qui... C'est bon. C'est ce que je voulais entendre. C'est le mot-clé. Tu as dit papa, non? Tu as dit papa, non? Oui. J'attends ton père ici. Voilà. Hé, hey, Pater. Tu es là? Tu voulais que je sois où? Ok. C'est la guerre, c'est bon. La guerre? Prends place. C'est qui t'a énervé? Qui m'a énervé? Hein? Ça, c'est quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Toi-même, tu ne vois pas. Et qui est quoi? Regarde ce que tu as fait sur le visage de l'enfant. C'est quoi ça? Hein? Tu n'as rien fait comment? Je lui ai demandé pourquoi le visage est noir et me dit c'est papa. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est le cirage que l'enfant a sur le visage, là. J'imagine le nombre de chaussures qu'elle a cirées. C'est quoi? Hein? Moi, quand je te demandais de me cirer les chaussures, tu avais au moins 7 ans. Grand-père, j'ai 9 ans. Tant pis, même si tu avais 15 ans, 21 ans, il n'a pas le droit de te traiter comme ça. Ça, c'est de la torture. C'est quoi, ça? Ça, c'est la maltraitance que tu fais à l'enfant ici. La maltraitance, quoi. Tu veux me dire quoi? Je demandais à l'enfant qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle m'a dit, c'est papa. C'est toi? Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait comment? Hein? Est-ce que c'est normal, ça? C'est normal que l'enfant se retrouve avec un visage comme ça? Hein? Est-ce que moi, j'étais élevé comme ça? Et tu veux dire quoi? Est-ce que moi, j'étais traumatisé quand j'étais petit? Ça, c'est des répercussions qu'elle va avoir dans l'avenir. Hein? Est-ce que c'est ça l'éducation que moi je t'ai donnée? Toi, mon propre fils, Carlos Takam, est-ce que moi je te maltraitais comme ça? Je ne m'appelle pas Carlos. Tant pis, je t'appelle Carlos. Je t'appelle Grégoire, je t'appelle Mathieu, je t'appelle Yves, Ferdinand. Je t'appelle comme je veux, je suis ton père. Regarde, ça c'est le corps d'un enfant qui a 9 ans. Hein? Tu la maltraites ici? Papa, tu exagères, il est maltraité. Non, père, tu as trop grandi, papa, non, ça va, non. C'est toi qui demandes à l'enfant de me parler comme ça. Hein? C'est toi qui demandes à l'enfant de me parler comme non. ça? Non. Ma propre petite fille me dit que moi, je ne dois pas te parler comme ça. Toi, tu es qui que je... Ton père, là, c'est mon propre fils. Je lui parle comme je veux. Si je veux, je te frappe même. Tu vas m'amener nulle part. Yay. J'ai mis au monde un enfant. Mon enfant a mis au monde son enfant. Maintenant, vous vous associez, vous deux, pour me chasser de la maison. C'est ça? Non, qui t'a chassé? Tu m'as chassé? Yay. Ta fille et toi, vous m'avez chassé. C'est ce que vous me demandez de faire, de sortir de votre maison. Vous pensez que moi, je ne comprends pas? Je comprends ton langage avec ta fille. Vous me demandez de sortir de la maison, c'est ça, non? Je vais sortir de votre maison, comme je n'ai pas construit. Est-ce qu'on a dit ça? Ah bon? Tu penses que moi, avec ma sagesse, là, je ne comprends pas? Je n'ai pas besoin de me dire que sors de la maison. Je comprends votre langage. Je sors de votre maison, c'est pas grave. Moi, je rentre chez moi. Bon, est-ce que c'est faux, alors? Tu as construit? J'ai construit. Je construis, tu comprends? Je construis. D'ailleurs, ta fille, je devais lui apprendre l'anglais, non? Je ne vais rien lui apprendre. Elle va rester comme ça. Elle ne va même pas connaître un mot. Même yes, good, no, yes, good. Rien. C'est moi qui te parle. Papa, Regarde, n'essaie pas. Ne fais pas ça. Tu comprends, non? Voilà. Toi, là, tu ne parleras jamais l'anglais. Alice, tu as quoi sur le visage? C'est que j'étais en train d'essayer tes chaussures. Mais il y avait les moustiques qui me dérangeaient. Je n'ai pas réalisé qu'il avait le cirage sur la main. J'ai donc touché mon visage. Grand-père ne m'a pas laissé lui expliquer. Là, c'est m'a dit, assieds-toi là, je vais gérer son cas. C'est tout. C'est tout. C'est marrant.
Lui, là, il n'a vraiment pas changé. Oui, il n'a vraiment pas changé, mais c'est mon papy. Donc, je l'aime comme ça. Un papy qui bavarde comme il n'est pas permis. En plus, il montait sur mon tapis avec les chaussures. Quand grand-père était là, ta voix ne sortait pas. Maintenant que j'étais sauvée, ta voix sort un peu. Comme pour dire quoi? Comme pour dire qu'on a célébré ça, parce que j'étais sauvée. À l'équipe. Dis-moi un peu, selon toi, c'est toi qui as chassé grand-père ou c'est moi qui l'ai chassé? C'est moi qui l'ai chassé, puisque j'étais sauvée. Sauf qu'il te mène toujours. Parce qu'il a chassé grand-père 3 fois, tu l'as chassé seulement 2 fois. L'essentiel, c'est qu'ils sont partis.